regardez, ici, on est au ras de Colville. Alors ici, il y a une légende vivante, il est là, c'est le gris, vous le reconnaissez, évidemment. Il s'agit de Ken d'Argent. C'est le père fondateur du rat de Colville. Mais maintenant, il a un compagnon de haut prestige, il s'agit de Galloway. Et Lucille, qui est à nos côtés, qui a préparé les étalons pour cette route des étalons 2023 avec plaisir, va nous en dire un petit mot. Alors Galloway, il a quand même de particulier. Bon, c'est un bon étalon, ça tout le monde le sait, Lucille. Oui, on n'en parle plus, on connaît cet étalon. Mais comment il fait pour être aussi bon? Alors ça, c'est un grand mystère. Il a la particularité de produire quasiment finalement aussi bien en obstacle qu'en plat. Racontez-moi un petit peu. Effectivement, cette année, il a sorti Vauban. Donc, c'est ce qui fait un peu sa particularité. Il est aussi bon en sortant des chevaux de plat que des chevaux d'obstacle. Voilà, c'est ce qu'on met en avant pour lui cette année, qu'il est capable de faire les deux finalement. Comment il est au quotidien? C'est un cheval qui a quel tempérament? Galloway, c'est un cheval qui est coquin, qui est joueur, gentil, mais voilà, un peu coquin. Il a été choisi quand même parce que c'est un Galiléo avec une mère par de Neuville pour bien croiser avec Ken d'Argent. Quel type de croisement? On a beaucoup on a beaucoup de gens qui sont fans de croisement, bien sûr, sur Francis. Quel type de jument il faut lui amener par rapport au sang? Du Ken d'Argent, ça marche très bien. Vous l'avez essayé, réessayé et le croisement fonctionne très bien, c'est ça? C'est ça. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Lucille. Merci. Et bravo à Galloway pour avoir aussi bien réussi. Et ça n'est quel âge il a déjà? Encore tout jeune ce cheval-là? Il est tout jeune, oui, encore. Allez, venez avec moi, on va faire une petite surprise. Parce que moi je l'aime bien quand même. Mon petit Ken d'Argent, on va pas le laisser tout seul, papy, parce qu'il est quand même pas supplanté, il faut le dire, par Galloway, mais quand même. Ken d'Argent, c'est quand même. C'est chouchou, non? Oui, Ken d'Argent, c'est notre chouchou. Il a 20 ans cette année. Mais voilà, on le présente plus, on connaît son potentiel pour produire des chevaux de course. Il vieillit pas, hein? Non, il est tout jeune encore dans sa tête. Et même au niveau physique, il reste très beau cheval. Bravo Ken d'Argent, le père fondateur du rat de Colville, qui est aujourd'hui accompagné, mais pas supplanté, sinon il mord, par Galloway.